Salut à tous et bienvenue à la chaîne 7 du Salon Et Didine, et comment voilà. Ça va? Bah, j'espère que vous allez bien, et en tout cas, bah, nous, pour notre part, bah, tout va bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur une nouvelle démo Nintendo Switch, Miles et Kilo. Et donc, qui a un petit côté rétro quand même, ce jeu bien sympathique. Oui, et puis... Et ce jeu, bon, bah, on l'a déjà un petit peu... on n'est pas dans Mario avec le monde 1, 2, 1, 3, non, mais bon, voilà, il y a ce petit côté sympathique. Alors du coup, pour vous montrer le jeu, on va vous montrer un terrain assez speed, par contre. Ouais, alors bon, Ced, il a déjà bien exploré la démo. Ouais. Dites-vous que moi, j'y arrive pas, hein. Moi, je qui suis pas très patiente. Donc, faut bien pouvoir... Mais tu peux peut-être nous dire les touches que tu utilises. Ben, tout ce que j'utilise, c'est le B et le Y. Ok. Là, c'est le Y, là, c'est le B. Voilà. 1, 2, 3, 4, c'est chaud, hein. Ce jeu est un peu chaud. Alors, je vous dis pas, pareil qu'il y a 36 niveaux, hein, selon le eShop. Moi, déjà, j'ai du mal à en faire un, alors 36... Bon. Mais il est sympathique. Enfin, voilà. Ce petit côté rétro est sympathique. Il est vachement court, hein, ce jeu, par contre. Enfin, Cette démo, ouais. Il y a encore d'autres niveaux, hein, comme vous l'avez vu déjà là et là. Mais vous voyez, la plupart sont verrouillés. Mais on va vous montrer déjà, en tout cas, ce qui est déverrouillé. Ouais. Histoire que... Hein. Alors, là, c'est pas du Skyjump pour ce que vous voulez. Hein. C'est un jeu que vous pourrez trouver sur le eShop pour 7,99€. Ouais. Il est possible qu'en le suivant, que vous puissiez l'avoir un peu moins cher. Ah, il est possible, oui. Donc nous, pour notre part, bon, on l'a pas acheté. Non. On a trouvé la démo sympa, mais de là à l'acheter, on s'était dit que la torture psychologique ne valait pas 7,99€. Voilà, ouais. C'est pas assez... Autant des petits jeux sympas qu'on achète des fois 2,99€, 3€, ça va. Mais là, on trouve en fait que pour 7,99€... Ça faisait un peu mal quand même. Ouais. Surtout à ce prix-là, encore s'il coûtait quoi. Mais il est bien fait. Ça c'est clair. Graphiquement, c'est vrai que voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ça vaut le coup. Mais comme vous avez bien compris, hein, le but de la chaîne, c'est que. En tout cas, c'est un objectif qu'on s'est mis là pour la deuxième année. On le faisait déjà. Au début, c'est de vous faire découvrir les démos, parce que c'est vrai que des fois, on a envie d'acheter un jeu sur le eShop, ils vous vendent du rêve, mais déjà, quand je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes sur le eShop, vous voyez un jeu, vous dites oh, ça a l'air trop bien et tout, c'est trop cool, et vous voyez le prix, il a l'air sympa, et là, vous regardez la bande-annonce et vous dites ah ouais. Eh ben non, en fait. Ça avait l'air beaucoup plus cool avant. C'est ça. Et puis des fois, alors l'image du jeu qui est sur les shops n'a rien du tout à voir en fait avec la vidéo le jeu. C'est vrai. Ouais. Donc on s'était dit, puis vu que notre vidéo, la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne jusqu'à présent, c'est une démo, hein, sachez-le, c'est la démo du Monopoly qui est en route pour les 1500 vues quand même. Ouais, 1500. On est content franchement. Pour une première année, on est vraiment amateur de chez amateur. À quoi, 900 moi? Mais même pas, oui. Bon, enfin, après, on a 1000 abonnés, mais c'est vrai que les abonnés, vous savez comment c'est, ça ne regarde pas forcément. Tous les abonnés n'ont pas les mêmes goûts. Il y en a qui aiment bien nos vidéos sur du gaming rétro, d'autres sur du gaming, qui aiment bien quand on s'amuse un petit peu sur Street Fighter ou des jeux un peu comme ça avec Ced Bon City, mais voilà. Mais, mais c'est vrai que voilà, on se disait, allez, si on attend, comme la plupart des vidéos de la chaîne, les 300, 400 vues, c'est bien. Ah, le petit Mathias, qui est pas derrière nous, qui dit « Je veux tester, je veux tester !» Alors, pour vous dire que ce jeu, ça plaira à certains d'entre vous, parce que s'il y en a un qui me tape derrière le dos en disant « Je veux essayer », c'est que... Alors après, sachez que nos enfants ont quand même été... On leur a transmis les gènes. Voilà, parce qu'à la maison, ils ont commencé avec la NES. Enfin, ils ont touché vraiment pas mal de consoles par rapport à leur génération. Ça va de la VTEC à la PS Vita. Ah oui, ça va. Ils en ont fait des trucs. Hein. Et puis du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même...
à notre époque, on peut avoir des NES, des GameCube, vous allez à Micro... Enfin, Micromania, qu'est-ce que je raconte ? Des magasins du genre Easy Cash, enfin, voilà, vous pouvez avoir des consoles sympathiques. Oui, oui, c'est vrai qu'ils tournent. Pour 30-40 euros. Bon petit truc, ouais. Avec des jeux rétro vraiment pas chers, donc ouais. Voilà. C'est d'ailleurs, il faudrait que vous fassiez un petit tour. Et des fois, ça peut être drôle, hein. Parce que le jour où notre grand de 17 ans a vu ce qu'était Vendredi 13 sur NES, ouais. Je peux vous dire qu'il a dit, mais non, tu déconnes. Non, bah ouais. Non, mais non, mais là, tu déconnes. Mais attends, non. C'était ça, le ouais. Petit fou de ma gueule. Mais attends, le gars, il a vu le film avant de faire le jeu, ou ouais, comment ça se passe? Non, parce que tu sais, dans un pauvre jogging bon. Comme ça, non. Mais... Et ben bah, voilà, bah, la démo, elle est finie, les amis. Ouais. Bah, on espère que vous aurez apprécié voilà, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Bon, c'est un jeu, ton avis cède. Moi, je suis amoureux de ce jeu. Mais pas au point de l'acheter, quoi. Pas au point de l'acheter, parce que pour moi, il les vaut pas. Pour moi, il coûterait 1 euro. Mais en tout cas, sur une note de 10, tu lui donnerais combien? Rien n'est parfait, donc je mettrais au moins un petit 6 ou... Non, un petit 7. Un petit 7. Bah, moi, je dirais 5 parce que techniquement, bon, c'est vrai qu'on a eu cette torture psychologique quand on était jeune avec les Tortues Ninja, ouais. Dragon Slayer et compagnie. Mais je veux dire, d'un point de vue jouabilité, faut dire la manette, enfin, c'était, tu t'adaptais bien au jeu. Ouais. Ce jeu-là, les amis, téléchargez la démo avant de vous habituer à la manette. Bonjour, au revoir. Bah, essayez la démo, surtout le monde 7, vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Et voilà. Et bah après, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Prenez soin de vos amis, ouais, de vos familles, de vous. Voilà. Et à ciao, ciao. Allez, ciao.